Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. C'est son pseudonyme, la Chicheline. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Salut à tous et bienvenue dans Sion Sortez. Mardi, à la Salette de Montvigne, ne manquez pas le ciné-débat autour du film Les Invisibles sur l'accueil de jour des femmes vivant à la rue avec notamment Audrey Lamy et Corinne Massiero. Ces femmes invisibles reçues dans les accueils de jour représentent 40% des personnes sans abri. Le ciné-débat est gratuit et sur réservation. Si loin que je me souvienne, j'ai toujours su. Mardi au cinéma Le Club, ne manquez pas la projection de Ces liens invisibles, suivi d'un échange avec la réalisatrice Marine Billet et d'un débat avec la psychogénéalogiste Alexandra Sidoumi. Ces liens invisibles, c'est l'histoire de trois personnes qui partent à la recherche des secrets de leur famille pour tenter de reprendre leur destin en main. L'auteur de la célèbre série Transperce Neige est de retour avec son exposition Artiste au sommet. Au musée de l'ancien évêché, Jean-Marc Rochette regarde dans le rétro et revient sur ses 10 dernières années rencontres. En fait, c'est l'exposition qui mène mes deux passions principales, c'est-à-dire l'alpinisme, la montagne, plus largement que l'alpinisme, la montagne, et puis la peinture, et la peinture de montagne en fait. J'ai voulu montrer au public comment on fait une bande dessinée. Une bande dessinée, ça s'écrit d'abord, après on fait des esquisses. Et après, c'est tout un processus industriellement, mais artisanal en tout cas. Et je pense que c'est intéressant pour les gens de voir comment on fait une bande dessinée. Souvent, on la lit comme ça, on est pris ou pas pris par l'histoire. Mais après, là, c'est un peu voir un peu l'arrière du décor, quoi, comment on fait ça. Quoi. Les gens s'intéressent au dessin, à la montagne, à la bande dessinée, et une approche, disons, un peu personnelle de la montagne, oui, ça peut les intéresser. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.